Salut à tous, c'est Thibaut Cassin. Donc on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui, ça va être une vidéo sur le hand spinner, donc le petit engin à la mode. Donc c'est fait avec du plastique et des roulements à billes. Donc il y en a un au milieu, un en haut, un sur le côté et un de l'autre côté. Donc c'est un petit engin où on peut faire des petites figures, donc le mettre sur un doigt, que sur le pouce, faire un petit tour. Le tour du monde ou pas, on peut faire des figures comme ça, faire le petit changement de doigt. Donc c'est vraiment bien. Le spinner, c'est soi-disant dit pour se concentrer ou se déstresser, on m'a dit ça. Donc bon, moi je m'en sers plus pour le jouet parce que voilà, c'est pas vraiment dans mon utilité. Donc pour le démarrer, vous pouvez faire comme ça vous donne plus de vitesse, comme ça. Ah, c'est dur comme ça me donne pas beaucoup de vitesse, ou comme ça en arrière, mais c'est mieux comme ça donne beaucoup de vitesse. Alors le hand spinner, c'est franchement tout simple, ça coûte pas très cher. Vous pouvez l'acheter dans tous les magasins de jouets, enfin à peu près. Et s'il n'y en a pas, vous pouvez les commander sur Amazon, eBay. Franchement, c'est pas ce que ça coûte, hein. Ça coûte. On a des très chers, mais voilà. On a des modèles où il y a que deux branches comme ça, d'autres où il y en a quatre. Et ça, c'est le modèle de base avec trois branches. Donc, je l'ai ce matin, je sais pas faire beaucoup de choses. J'ai un peu de mal avec le tour du monde. Sinon, j'arrive à faire un doigt comme ça. Pouce, changement de doigt comme ça. Ah. Donc, ce petit spinner. Il coûte à peu près. Ça dépend de vous l'acheter, mais le maximum pour un engin comme ça doit être 6 euros. Pour celui-là. Donc franchement, c'est pas super cher pour un engin qui est assez solide en plus. C'est celui, je l'ai fait tomber beaucoup et on peut voir qu'il a aucun choc. Le roulement à billes, si vous voulez, je vais pas vous donner une mauvaise idée pour le graisser pour qu'il aille plus vite. Mais on m'a dit qu'il fallait le mettre dans de l'huile ou dans de la graisse. Enfin, moi, je serais vous, je le ferais pas parce que je suis pas très sûre. J'ai pas envie de le pourrir et qu'il tourne comme ça juste après. Ça serait bête. Moi, il tourne longtemps, hein, c'est juste que je l'arrête. Bon, bah, on va faire une petite figure. Donc, on va essayer de faire le tour du monde. C'est parti. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Mettez un pouce vers le haut si c'était bien, puis un pouce vers le bas si c'était moyen. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez bien aimé ou ce que vous avez pas trop bien aimé. Abonnez-vous, ça me ferait super plaisir, franchement. J'aimerais bien qu'on atteigne allez, pour commencer, les 10 pouces bleus. Et je referai une vidéo sur les hand spinners. 10 pouces bleus, je refais une vidéo. Sur le hand spinner, 10 pouces bleus, donc c'est vraiment pas beaucoup demandé. J'aimerais bien au moins. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Franchement, c'est quelque chose qui me ferait vraiment très plaisir. Sachant que le hand spinner, c'est une vidéo, c'est un truc qui fait le buzz sur internet. Ça fait le buzz partout, il y en a partout. Dans la rue, il y a plein de gens qui en ont. Enfin, franchement, si vous voulez d'autres vidéos avec un hand spinner, abonnez-vous. Mettez des pouces bleus. Lâchez des commentaires gentils, ça serait bien. Et si vous n'avez pas trop aimé, mettez-moi dans les commentaires, j'essaierai d'améliorer ça. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, la prochaine fois. Donc salut à tous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!